l'immigration, c'est vrai, vous avez raison de dire que, en tout cas, on l'a vu après la Révolution, que les arts visuels ont explosé sous différentes formes, photos, les graffitis. En revanche, moi qui suis dans le livre, dans le texte, et plus spécifiquement dans les textes de fiction, je ne suis pas dans l'essai, parce que après la Révolution, il faut savoir qu'il y a aussi eu énormément d'écrits, ça s'est un peu stabilisé, là il y en a un peu moins, il y en a eu un peu moins en 2013, énormément d'écrits relatifs évidemment aux événements, à l'histoire du pays, ce qui était complètement compréhensible, parce que je crois qu'on avait tous besoin de comprendre comment tout ceci est arrivé, de revenir aussi à l'histoire du pays, une histoire souvent méconnue, ou trompé pour certaines fois. Là, en revanche, les textes de fiction n'ont pas vraiment été dans le dynamisme de l'événement. En revanche, ils ont été souvent chez les romanciers tunisiens, je pense à Aza, un de ses romans qui s'appelle Watan, ont pressenti ce qui allait arriver. On trouve ça dans les textes. Ce que je veux dire aussi, c'est que, il me semble, alors je suis peut-être moins en contact avec les artistes d'art visuel, mais il me semble que chez les romanciers, et Aza, tu pourras peut-être développer ce que tu le vis au quotidien, je dirais, le poids de la société, moi je dis toujours la censure en Tunisie, la censure politique, me semble-t-il, ce n'est pas à cause de la censure mise en place par Ben Ali que les romanciers n'ont pas pu produire. Je pense que la plus grande censure en Tunisie est la censure sociale. Et cette censure de la société, de la famille, de l'environnement, de la culture. Et celle-ci n'a pas disparu. Et je le sens très bien à travers les écrits. C'est-à-dire, alors évidemment, on a l'impression de pouvoir tout dire, mais dans l'écriture, ce qui se glisse entre les lignes, ce qui fait aussi un livre, un texte émouvant, un texte profond, un texte où on va aboutir. Je sens très bien que la révolution n'a pas changé. Donc, c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a une construction qui est en train de... La révolution permettra peut-être à l'individu de se construire à l'intérieur de lui-même. Et je crois que, c'est juste ce que je voulais donner. Et Hasard, en tant que romancière, pourra peut-être... Juste un complément là-dessus sur la censure, peut-être. Enfin, cette censure privée. Oui, moi, je voulais vous parler des stéréotypes, de la force des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on a entendu des discours sur les changements de femmes. Vous craignez qu'il y ait trop de femmes sur la scène publique. Moi, je crois que l'évolution de la femme, cette trajectoire vers l'autonomisation, qui me paraît essentielle, n'est pas du tout gagnée, et loin d'être gagnée, même si on a, sur le plan public, peut-être une visibilité plus grande des femmes, parce qu'on les regarde plus. Mais il y a encore un combat, et Elisabeth a tout à fait raison de dire qu'au niveau de l'écriture, il reste encore un combat, mais un combat de celui qui écrit ou celle qui écrit, avec elle-même, contre elle-même. Et la femme, justement, dans cette espèce de trajectoire vers l'autonomie, doit lutter contre elle-même, parce que les stéréotypes, comme vous le savez, c'est quelque chose de très insidieux, de très sournois, mais également... Donnez-moi un exemple de stéréotype impossible à... dans l'œuvre, dans l'œuvre fictionnelle, des écrivaines tunisiennes. Par exemple, l'autofiction. L'autofiction dans ce qu'elle peut avoir de plus cru, de plus véridique, de moins maquillé, hein, peut être l'objet d'une autocensure tout à fait parfois inconsciente de la part de celle qui écrit. Souvent. Par exemple, le sexe, par exemple. Par exemple, l'amour, le sexe. Absolument, c'est ça. Ou alors on va nous dire, les écrivains vont le dire d'une façon tellement compliquée que ça devient pas intéressant. Oui, et pour revenir, dernière chose... C'est pour comprendre, hein. C'est pas simplement les trucs politiques, pas du tout les trucs... Pour revenir à cette histoire de trois générations, je trouve qu'il y a un combat qui continue, mais qui s'enrichit des victoires des générations précédentes. Ce que ma mère a gagné,
elle me l'a laissé. Et c'est quelque chose avec laquelle je fais. Mais je suis loin du compte, d'une certaine manière, et ma fille va récupérer un certain nombre de, entre guillemets, d'héritages, de batailles menées et gagnées ou perdues. Et tout cela fait cette espèce de conscience de soi avec laquelle la femme tunisienne va désormais, enfin, continue de négocier avec les textes qu'on lui offre. Donc, justement, il y a, malheureusement, il y a... C'est là, on parle de la sphère privée, oui. Comme tabou des tabous, c'est ça? Oui. C'est ça, mais vous parliez des trois générations, excuse-moi Serge, il y a quelque chose que j'avais voulu dire tout à l'heure, puis là ça m'y a fait penser. Je vais encore être la rabat-joie de service, excusez-moi, mais en fait, je crois que vous n'avez peut-être pas conscience à quel point la jeune génération de femmes, parce qu'on lui a aussi... On n'a pas arrêté politiquement, Bourguiba, le père des femmes, Ben Ali, le modernisateur et le protecteur des femmes, on n'a pas arrêté d'être nourri par cette propagande, pense que les choses sont gagnées et qu'elle ne peut plus, le seuil limite des droits est atteint. Et en fait, elles ont arrêté de se battre. Il y en a beaucoup qui ont arrêté de se battre. Il faut vraiment prendre conscience. Au profit de quoi ? Au profit de quoi ? Au profit d'un, de en fait, on a le maximum, c'est bon, on gère avec ce qu'on a, on fait des deals sur la sphère privée et la sphère sociale, et puis c'est pas la peine de se battre autant, c'est pas le moment, ça sert à rien de demander l'héritage. Et c'est encore, c'est beaucoup dans les villes, excusez-moi. Parce que dans la sphère rurale, la femme qui n'a pas le droit à la même part d'héritage que son frère, elle sait ce que ça veut dire de perdre la terre. Parce que c'est une liberté économique et donc une liberté de vie qu'elle perd. Donc évidemment que les citadines, elles s'en foutent de l'égalité de l'héritage, ou plus ou moins, parce qu'en fait elles s'arrangent. Et elles ont les moyens de s'arranger ou de buter, ou d'avoir un père ou un frère qui va après redistribuer, des choses comme ça. Mais dans la ruralité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué justement sur la question des terres et de l'agriculture. Et c'est très important dans un aussi petit pays que le nôtre. Donc il faut aussi penser à cette diversité de femmes. Oui, on est minoritaire ici, on représente une toute petite partie des femmes tunisiennes. Et justement, je déplore que la constitution se soit faite en l'absence d'un débat public divers, et qu'on n'ait pas recueilli suffisamment, fait remonter suffisamment des paroles de femmes, qui auraient certainement tenu aussi des discours qui ne sont pas mon projet de société à moi, mais qui ont le droit d'existence. Vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses, des choses avec lesquelles je me sens en adéquation, puis des choses qui me hérissent le poil, si vous voulez. Moi, je n'ai pas peur pour les hommes tunisiens, mais je pense... Alors, et je n'ai pas peur du mot féministe, parce qu'en plus, je fais partie d'une génération où c'est devenu péché d'être féministe. Oui. Et j'utilise ce mot malheureusement à défaut parce que j'aimerais un jour parler d'humanisme. Parce que oui, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est cohérent avec cette histoire de pas me battre pour la parité, mais me battre pour l'égalité. C'est parce que moi je veux que l'homme soit plus au centre de toutes les organisations politiques et sociales de par le monde, et la femme fait partie, voilà, de l'humanité. Point. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, j'ai peur pour les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il est violent d'être un homme en Méditerranée et dans les pays arabo-musulmans. C'est très violent. C'est très violent au quotidien d'avoir à prouver à chaque instant que je suis viril, que je suis puissant, que je dois prouver ceci et cela, et que je suis capable de faire ceci et cela. Qu'est-ce que ça provoque pour eux ? Enfin, ma perception, et c'est donc quelque chose sur lequel je voudrais un jour creuser, Hop Story, qui est un spectacle qui parlait de l'intime et de la sexualité que nous avons fait. Spectacle que vous avez monté. Ouais. Avec Lotfi Achour, ouais. Avant la Révolution, je tiens à le dire, qui est fait en grande partie, enfin qui est fait totalement en matière documentaire, donc et en partie de confession de Tunisiens lambda, hommes et femmes, de toutes les sphères sociales, de toutes les régions de la Tunisie. On a bien entendu ça. On a entendu aussi que les hommes, en fait, la société est tellement construite autour d'eux qu'il y a cette tentation constante de revenir dans le giron social, même quand on a posé des actes d'autonomie, des actes de liberté individuelle. Alors que quand on est une femme, comme les choses sont violentes pour nous, quand on fait un pas de transgression, on le fait une fois pour toutes. On s'arrache le bras et après on continue. Qu'est-ce que tu appelles acte de transgression ? C'est-à-dire quand on décide de faire une profession qui n'agrée pas sa famille, ou de se marier avec un tel. Ou... Non, c'est plus compliqué. Ce qui est arrivé à Mira, je crois. C'est sophistiqué aussi. Voilà, oui, c'est mais c'est ça, ou blanc. Mais c'est ça aussi. Donc
quand on décide de se marier avec quelqu'un qui ne convient pas, ou de ne pas se marier, ou de faire des enfants, ou de ne pas avoir des enfants, ou des choses comme ça. Parce que la question du corps est encore au centre, et la question de la maternité, justement, est au centre. Parce que le centre du pouvoir féminin en Méditerranée, c'est la maternité. Et le centre de la faiblesse du féminin en Méditerranée, c'est la maternité. Donc, quand ces femmes-là, quand nous faisons ce pas de la transgression, il est fait une fois pour toutes. C'est plus violent, mais c'est plus simple. Alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est une violence sournoise. Ouais. Donc c'est difficile. Qu'est-ce qui serait pour toi la transgression pour les mecs? Il y en a plein. Non mais donne un exemple, l'équivalent de ça. Alors la transgression suprême est facile dans nos pays, c'est l'homosexualité. Mais pas seulement, c'est ne pas se conformer à une image de la virilité édictée par la société. Virilité stricte, c'est tout. J'en sais rien, c'est faire montre de... Mais on peut retrouver ça aussi dans d'autres sociétés, hein, et aussi aussi dans les sociétés occidentales. C'est faire montre d'une... faire un choix de métier qui ne vient de pas. Ça peut être religieux. Moi, je connais plusieurs personnes athées qui n'osent pas dire qu'ils sont bien sûr. Voilà, bien sûr. Ça, c'est très violent. Et je veux revenir. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des femmes d'un certain âge qui ont mener des actes de transgression à leur époque, alors que rien ne les protégeait à l'époque, qu'aujourd'hui serait inimaginable pour moi, mais inimaginable. Et ça, c'est une réalité aussi de notre société. C'est-à-dire que les femmes ont reculé sur un certain terrain, même si elles ont avancé sur un autre. Pardon ? Oui, mais c'est pour ça que je rejoins le truc tout à fait Amie, là, quand elle dit que le combat, il est mondial. Il faut arrêter de penser nord et sud. Arrêter complètement, mais sur plein de sujets. Tout ce que vous dites, moi je m'en trouve complètement. Et quand vous parliez des jeunes et des régressions, moi je pense par exemple à la loi anti-avortement en Espagne actuellement. Le questionnement de l'IVG, on l'a de la loi sur les gens. La querelle sur le genre, tout à fait, c'est affolant. On s'est battu pour obtenir, justement, c'est ça que je parlais. Quand je vous ai entendu, je me suis dit dans la tête, nous sommes battus pour que les générations futures aient cet acquis-là et puissent construire ce futur avec les acquis du passé. Mais en fait, je me rends compte que le futur, il se construit avec les acquis et avec les oublis. Exactement. Voilà. Chez nous aussi. C'est une construction et une reconstruction permanente. Voilà, c'est constant. C'est comme la marée, comme les vagues. On va apprendre, C'est la vie. Et puis, moi, je rejoins Madame Az. C'est très vrai qu'aujourd'hui, dans notre génération, et moi j'en ai beaucoup discuté avec une amie qui est présente ici même, la phobie qu'on avait par rapport au féminisme. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a un manque de reconnaissance horrible de la femme. On se permet de juger le féminisme en tant que combat, et puis les instruments du féminisme sur toutes ces étapes historiques, et comme si on avait dépassé. Alors, aujourd'hui, je pense qu'avec beaucoup de recul, moi je suis pour qu'on change d'outils et d'instruments pour mener ce combat-là, mais je trouve que c'est très dangereux d'entendre des femmes dire ça. Parce que moi, quand je discute avec des femmes qui renoncent à leurs droits, et quand j'entends des femmes de ma génération dire « mais le féminisme, c'est horrible », je donne l'exemple de beaucoup d'amis à moi de l'Allemagne, de Berlin, je dis à quel point ce lieu a été important pour plusieurs dates très importantes par rapport à l'histoire de la femme et qui, au jour d'aujourd'hui, considère le féminisme comme un péché. C'est quelque chose qui est complètement dépassé, alors qu'on est... Et je pense que la tension a été maintenue pendant un moment, et au moment là où on a pensé que tout est acquis et qu'on s'est relâché un peu, on s'est retrouvé presque, pas complètement, mais presque à la case départ. Donc je pense que c'est pour ça, c'est ce qui est le danger aussi, c'est pour ça que je ne rejoins pas Sané aussi sur pas mal de points, quand on dit que la femme en Tunisie, elle a ses droits. Elle a ses droits, elle fait tout. C'est vrai qu'il y a un combat, c'est vrai qu'il y a une insolence que j'apprécie beaucoup, c'est comme ça, c'est-à-dire on va pas réduire la problématique de la femme à un texte. Le texte, il existe ou pas, il existera, il va être mis en œuvre ou pas, mais je pense que sur le plan pratique, et le combat le plus sophistiqué à mener, il est avec la société. Et il n'est pas homme versus femme, et il n'est pas non plus allez, on va s'entendre, on va partager, on va coexister. Il s'agit d'un projet sociétal qui va au-delà des lois, qui va au-delà des ambitions, du pessimisme, de l'optimisme,
mais on est en train de construire quelque chose pour le long terme, et je pense qu'il faut impliquer plus de gens. Il faut cesser de penser que la femme, c'est soit la féministe ou la femme libérée, émancipée, qui a choisi de faire un métier, épouser un étranger, toutes les choses qui sont encore très compliquées, ou la femme qui est voilée ou en burqa, et on réduit comme si rien n'existait entre les deux, alors que la majorité est entre les deux. Que celle de l'extrême droite sont minoritaires, que celles qui ont mené, qui ont décidé de mener un combat sharp et très sans négociation sont minoritaires, qu'au milieu il y a des femmes qui cherchent encore à se situer et qui mènent leur combat d'une autre manière. Parce que si, je cite juste l'exemple d'une région dans le nord de la Tunisie, enfin tout le nord-ouest presque, les chiffres sont effrayants. Il y a dans pratiquement 60, entre 60 et 70% des foyers, c'est que les femmes qui travaillent. Elles n'ont pas droit à la liberté, elles vivent dans une société qui est très conservatrice. Par contre, c'est elles qui mettent du pain sur la table. Et ces femmes-là vivent pratiquement leur émancipation parce que c'est elles qui tiennent la force, mais je pense qu'elles ne mènent pas le discours. Pour elles, c'est quelque chose qui coule de source, c'est une évidence. Du coup, je pense que quand on débatte de choses, il faut aller aussi, peut-être aller aussi dans l'anecdote, parce que moi, si je parle d'un dernier truc, moi, quand je pense à ma situation de femme, je me dis que je me suis battue pour être ce que je suis. J'ai des parents très compréhensifs, mais il a fallu quand même, mais ils m'ont aidée et soutenue. Mais quand je pense à la grande famille, c'est une panoplie de stéréotypes tunisiens entre l'extrêmement progressiste, l'extrêmement comment dire, islam, enfin, je déteste conservateur. Et du coup, j'ai eu un combat, mais en même temps, quand je pense à ma situation au quotidien, parce que le diable habite les détails, au quotidien, quand je marche dans la rue, j'ai pas encore l'impression d'être une femme libre. J'ai pas du tout cette impression. C'est-à-dire, quand on est dans des endroits, à certains endroits, il y a ça, je pense que j'ai cette envie de m'arrêter et de discuter avec cet excès de testostérone dans la rue qui pense se permettre. C'est encore ça dans la rue. Et j'ai beau être pessimiste dans l'expression et dans la pensée, je suis optimiste dans l'action totalement. Et je ne pars pas. Mais cette question du corps féminin dans l'espace public est fondamentale. Elle est fondamentale. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, et j'essaye de le dire, quand j'ai le courage et quand j'ai la patience, machin, de me retourner vers l'agresseur, parce qu'il s'agit d'agression, et de lui dire, tu sais, la différence fondamentale entre moi et toi, c'est que toi, tu as le droit de passer une journée entière sans être humilié. Moi, je n'ai pas le droit à ça. Et ça provoque, alors ça dépend de mes réactions. Il y a des jours, récemment, juste avant de quitter Tunis là pour venir jouer à Paris, j'ai frappé un mec. Parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, je l'ai frappé. Il était tellement, il s'y attendait tellement pas, qu'il restait les bras ballants, humilié devant ses copains. Et je me suis dit, je m'en suis voulu parce que je suis tombée dans la même. Non mais attendez, je vous raconte quelque chose qui n'est pas très beau et pas très glorieux, j'en suis pas fière. J'ai versé dans la même violence que lui. Mais après, je me suis dit aussi, merde, pour toutes les filles qui font la sourde oreille, parce qu'on nous apprend à faire la sourde oreille, d'accord ? On nous apprend très très bien à faire ça. Et ben, je suis contente parce que peut-être qu'il y pensera deux fois avant d'emmerder quelqu'un d'autre de cette même manière. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie aussi d'exporter le terrain de la lutte à tous les endroits. Oui, quand j'ai la patiente, j'explique. Oui, je me retourne, je lui dis, mais monsieur, tu sais qu'on parle à ta femme et à ta mère et à ta sœur de la même manière. Ça les rend dingues. Une fois, j'ai failli me faire tabasser à cause de ça. Et les gens qui sont venus nous séparer m'ont dit à moi, pourquoi tu lui parles? Alors que le mec me couvrait d'insultes ordurières depuis une heure à me suivre dans la rue. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est le quotidien des femmes. Et ça, alors ça, c'est les villes, parce que la ruralité, moi, j'ai grandi dans le sud, j'ai grandi à Djerba. Et, par exemple, on est protégé de ça, parce que quand on est dans des sociétés traditionnelles, il y a des choses, des structurations traditionnelles qui sont restées, qui protègent. Donc, par exemple, ça, un mec ne se permettra pas ça. Mais par contre, il peut faire montre d'une autre violence très importante à un autre endroit, dans un endroit privé. C'est l'éducation, c'est le reste. Enfin, il y a différents niveaux. C'est toujours plus complexe.
C'est vraiment toujours plus complexe. Combien de fois des amies actrices, des amies intellectuelles, comme vous dites, bourgeoises qui ont les moyens d'être dans leur voiture et de descendre, me disent mais toi aussi, tu te fais emmerder. Mais pourquoi tu descends en jupe à Tunis? Et pourquoi tu vas dans un quartier populaire? Mais parce que je veux remplir l'espace public d'une image qui est la mienne, que je ne vais pas concéder. C'est tout. Je refuse de m'habiller à Paris différemment que je m'habille à Tunis. C'est quoi? Pour moi, c'est mépriser mon pays. C'est mépriser les hommes de mon pays. C'est leur dire vous êtes des animaux qui ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. Je refuse de m'adresser comme ça à mes concitoyens. Donc, bien sûr, je subis les conséquences. C'est pénible. Mais je n'ai pas envie de concéder les seuls moments. J'espère que vous en témoignerez. Les seuls moments. J'en parle avec encore de l'émotion, où j'ai senti que j'étais une citoyenne à part entière, de manière organique, c'était les manifestations autour du 14 janvier. Parce que ça est venu à la tête de personne de me mettre la main au cul. À personne. On soulevait ensemble des nanas photographes, super bien gaulées pour qu'elles prennent les meilleures photos possibles, et on les tenait par les fesses, je me rappelle, avec des mecs, je regardais, il n'y avait pas une once de lubricité, on était pareil. Ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines. Et c'est le même mec avec qui j'ai partagé des choses, avec qui on a pris des coups, qui aujourd'hui est capable de me foutre des coups ou me faire mal avec des mots de la même manière. Donc le combat, il est vaste, vaste, vaste. Et parfois, on est épuisé. Et parfois, parce qu'on est épuisé, on verse dans la violence, on verse dans des facilités. Mais c'est un combat à mener de tous les fronts, chez la femme rurale, chez l'intellectuel, et je ne m'en excuserai pas. Vraiment. Parce qu'aussi, c'est un terrain qu'investissent les islamistes de nous dire « Vous n'êtes pas ce pays-là parce que vous êtes des intellectuels. On est aussi ce pays-là, même si on est minoritaire. » Tout comme, je ne sais pas moi, une femme qui gère une grande exploitation agricole est minoritaire aujourd'hui en Tunisie. Ou une femme qui gère une très 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 grande entreprise multinationale est minoritaire en Tunisie. Ou une femme, je ne sais pas moi, qui est chauffeur de taxi aujourd'hui est minoritaire. Mais on est la Tunisie aussi. Et je veux apporter ma voix au débat de la même manière. Hein. Elle a pas. C'est pour cela que j'ai peur pour l'homme. Ouais. C'est pour tout ce que vous avez avancé. Parce que on est des bosseuses. Parce que justement, les femmes rurales, c'est elles qui travaillent depuis des décennies. C'est pas seulement en Tunisie, c'est dans le monde entier. Moi, j'étais en Corée du Sud, ce que les femmes qui travaillent, la terre, ça c'est clair. On est peut-être dangereuse pour les hommes. Pourquoi? On travaille beaucoup parce qu'on veut être toujours les meilleurs, parce que nous avons un complexe justement d'infériorité. On est belle. Et moi, si quelqu'un vient pour me parler, pour me citer, je le prends positivement. Je suis belle, alors je peux plus. Alors il y a tout le monde qui vient. On est nombreuses. Et c'est un danger aussi. On est nombreuses. Et ça, c'est un autre. C'est pour cela que je parle d'équilibre de la société. Si je parle de citoyenneté, je m'en fous si la femme ou l'homme, il y a plus d'hommes ou de femmes. Moi, je parle de la citoyenneté, de la liberté d'expression et de travailler beaucoup, surtout maintenant. Si un homme, une majorité masculine qui prend le pouvoir et qui bosse très bien, eh bien, tant pis, il travaille pour le pays. C'est ce que je veux. Je n'ai pas ce complexe. Moi, en tout cas, je n'ai pas un problème. Ni avec mon corps, ni avec le pouvoir de Ben Ali. Ou avec... Je travaille, comme d'habitude, avec la même conscience. Je sais que c'est trop dur. Et jusqu'à maintenant, je subis des problèmes. À chaque fois, je suis virée d'un poste où je suis placée. J'ai un problème dans l'enseignement, j'avais un problème au ministère de la Culture, j'ai un problème même avec chaque poste où il y a des compétences qui vont de l'avant, mais qui ne sont pas en contradiction avec l'existence, c'est-à-dire le sexisme, l'homme. Mon problème, c'est avec l'ignorance. C'est ça mon problème. Lorsque tout à l'heure vous avez dit à Djerba, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui fait, c'est l'ignorance qui est la plus grave. Il faut aller au-delà de cette égalité, de ce problème homme-femme. Pour moi, le plus important, c'est qu'on construit une société libre, éduquée et bien cultivée. C'est tout. C'est clair. Mais c'est complexe.
On peut construire le paradis, c'est tout. Moi, je le prends. Lorsque vous m'entendez comme ça, mais il faut se battre. Il faut se battre. Justement, je mais juste une parenthèse, je voudrais rebondir justement ce que vous dites et la transmission. Oui. Moi, au lendemain de la Révolution, combien de femmes j'ai entendu dire, issues de la génération Bourguiba, et je me souviens d'une assemblée de femmes, et elles étaient là en train de. Enfin, les anciennes de la rue du Pacha, dont les, voilà, elles avaient. Et qui disaient, mais. Oh, c'était au lendemain de, pardon, des élections, le 23 octobre. Qui disaient, mais on n'a pas su transmettre. Pourquoi on a, qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Pourquoi ils en sont là? Pourquoi on a voté comme ça? Bon, c'était, voilà. Pourquoi on a voté une date? Oui, c'est ça. Pourquoi nos enfants? Pourquoi on n'a pas su transmettre ce que nous, nous savions? Et voilà, c'était juste la transmission. Et c'est quand même les femmes aussi qui transmettent et sont les hommes qui transmettent à leurs fils qui sont dans la rue. Donc je crois aussi que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Et on n'a pas de réponse pour l'instant. On n'a pas de réponse, mais je pense que c'est aussi un des ce qui doit nous animer, nous, en tant que... On oublie aussi que c'est les femmes qui transmettent aussi le patriarcat. Oui. Ben oui, c'est ce que je dis, qui transmettent, voilà. Donc voilà, c'était juste pour rebondir. Vas-y, d'abord, hasard, et ensuite... Je ne sais pas à quelle heure il faut rendre le... Cet endroit aussi propre par temps pour la trouver en arrivant. Elles sont chez elles ici, donc... D'accord, hasard. Oui, j'ai deux remarques. La première concerne justement cette histoire de transmission. Il y a un auteur que tout le monde connaît ici. Il y a un auteur que tout le monde connaît ici qui est Ibn Khaldoun et qui, dans ses textes, les prolégomènes, a dit qu'il y a un changement social important ne survient qu'au bout de 3 générations. C'est-à-dire qu'il faut la génération des bâtisseurs, la génération de ceux qui entretiennent et la génération de ceux qui exploitent la chose. Par conséquent, je pense que ces femmes n'ont pas à se reprocher d'avoir mal transmis, c'est juste une question de temps. Et le temps agit dans le sens voulu par le changement. Ça, c'est la première chose. Ma deuxième remarque a trait à l'histoire du féminisme. C'est un mot qui est tellement sollicité, mais les mots sollicités, il faut un peu s'en méfier parce qu'on peut mettre dedans beaucoup de significations. Moi, je préfère parler de la trajectoire vers l'autonomie. Autonomie, c'est-à-dire la capacité de pouvoir disposer de son corps, comme vous l'avez dit, de sa vie, de ses décisions, une espèce d'indépendance de l'être. Bon. Eh bien, moi je crois qu'il y a une différence à faire entre cette trajectoire vers l'autonomie qui est réelle, qui est brisée, qui est en aller-retour, etc. Disparité entre cela et puis l'accoutrement, d'une part, et le discours, d'autre part. Parce que l'accoutrement est le lieu d'une multitude de motivation qui parfois échappe à la femme, et le discours est le lieu de stéréotypes. C'est-à-dire que si vous jugez un être, une femme, à travers ce qu'elle porte et à travers ce qu'elle dit, vous risquez de méconnaître le fond intérieur de cette femme qui, quelque part, est agissant. Je parle des femmes agricoles. Vous avez dit que c'était elles qui rapportaient l'argent au logis, souvent, c'est vrai, ce sont elles qui travaillent. Mais elles sont pour la plupart des femmes silencieuses. Ce sont pour la plupart des femmes d'allure conservatrice qui semblent obéir au maître. Mais quand on détient le pouvoir économique, on détient tous les pouvoirs. Et donc, quelque part, ces femmes entreprennent elles aussi une trajectoire indéniable vers l'autonomie. Alors, deuxième exemple, les femmes voilées qui ont participé aux manifestations. Dieu sait combien de femmes portant le hijab et même le niqab ont participé à des manifestations pour soutenir la cause des femmes. Le 13 août, il y avait beaucoup de femmes voilées à la manifestation qui disaient « Hedi mratouzir ». Par conséquent, je pense qu'il faut nuancer le discours. Nuancer le discours et laisser au temps, le temps de laisser au texte leur part de travail social, travail collectif, inconscient, mais qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nuances. Je peux poser une question là-dessus avant de passer la parole. Là, bon, les islamistes ne sont plus ceux de Nadar, enfin, ne sont plus au gouvernement. Oui, enfin, ils sont cachés. Bon, et voilà, c'est un peu la question à laquelle je vais. Enfin, il y a le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, là. Non, mais pour vous, quoi. Ça pèse combien les élections? Ce est-ce que c'est une victoire? On ne peut pas les
dégager. C'est leur pays aussi. Donc, non, ça les ouvre, pas. Mais c'est ça la démocratie. Si on veut vivre tous ensemble, il nous faut cet équilibre. Oui, moi, en tout cas, je suis. Non, mais, même si je les déteste, mais il faut qu'ils soient là pour modérer. D'accord. Donc ce n'est pas une histoire terminée. Non, pas du tout. De toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Il y a parfois l'histoire fiscale. Le pouvoir, il est à la constituante, et la constituante est majoritairement islamiste. Donc, c'est eux qui restent au pouvoir. Ils ont quand même voté pour une constitution. Oui. De consensus. Ouais. Et cette constitution de consensus, elle ressemble, c'est ça, à la fois, pour certains, la victoire, et que moi, je considère comme un peu quand même une défaite, c'est qu'en fait, elle est tellement colorée qu'elle n'a plus aucune identité, cette constitution. Et je ne sais pas comment elle va être appliquée. J'espère que ça se décantera, que ça ira pour le mieux, etc. Mais en même temps, il faut continuer à être agissant, nous, pour être sûr que ça aille dans le bon sens. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a à peu près 30 à 40% de gens qui votent Nada c'est ce qu'on dit. Plus. C'est plus. 30. Et 30% bon. Au dernier élection, on n'aura pas plus. Le problème, c'est qu'il va y avoir une abstention massive aux prochaines élections, et donc on ne sait pas quelle va être l'issue du résultat à cause de cette abstention-là, parce que les gens, maintenant, sont tombés, malheureusement, après l'espoir dans la politique, vers le tous pourri. Ah, et la déception. Mais vous croyez qu'on en est ailleurs? Non, 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 pareil. Amira. Alors, d'abord, juste une anecdote qui m'est semblée très importante. Il y a deux semaines, j'étais à Sousse, une ville à quelques centaines de kilomètres de Tunis, et en marchant dans la vieille ville, lieu d'abord exotique, visité, puis on a des circuits, un tournant à droite de trop, on se retrouve dans un paysage complètement différent des circuits touristiques. Et je lève les yeux et je vois, c'est écrit en arabe, café femme, 100% femme. J'ai pas compris. Alors moi, déjà, avant d'entrer, bien sûr, les fantasmes imaginaires, j'imaginais, et que nous, toutes liées dans notre imaginaire et dans notre vécu, à cette image des cafés que pour les hommes. C'est pas une loi, mais soit c'est que des hommes, et nous, on n'a pas le courage, et des fois, même quand on le fait, on se sent tellement glorieuse. Moi, je rentre toute excitée que j'ai pris un café dans un café qu'avec des hommes. Et je rentre, et avant d'entrer, je ne savais pas ce que je devais penser. Je n'avais pas décortiqué mon émotion. Est-ce que j'étais contente? Est-ce que c'était... Parce que je suis subjective et je tombe dans un certain extrémisme. J'ai dit, est-ce que c'est un café que pour les femmes, parce que les femmes du coup ne doivent plus être dans des salons de thé et ne veulent plus se mélanger? Est-ce que c'est un truc... Et là, j'ouvre la porte, j'entre, et c'était juste... un bonheur, c'était hallucinant, parce que c'était un espace pour les femmes, il y avait de la musique, elles fumaient leur chicha et leur cigarette avec le café. C'était, quand j'ai demandé à la propriétaire quelle était l'idée, elle m'a dit qu'elle a grandi tellement intriguée et dépassée. C'est une fille qui vient d'un milieu assez modeste, qui n'avait pas les moyens. C'est avéré que c'était toutes les femmes du quartier qui ont fait une espèce de collecte pour... entamer, inaugurer le projet, et qu'elle avait un complexe par rapport à cet espace exclusivement masculin. Et là, j'ai pensé que, comme disait Madame Maraza aussi, que ce qui est surprenant après la nouvelle constitution, c'est qu'il y a quelque chose qui nous calme tous, optimistes ou pessimistes, c'est que la société civile s'éveille, il y a un éveil collectif dans tous les milieux presque, et dans toutes les catégories sociales, qu'on voit tout le monde intéressé presque au même degré par le politique, parce que du coup on n'a plus le choix, et être indifférent c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre, plus peut-être pour les gens dans le besoin que pour des gens qui ont le luxe d'avoir des discours et d'analyser comme nous, on est là à dire non ça c'est vrai, ça c'est faux, peut-être pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils n'ont que cette chance pour réussir la mutation et la métamorphose de cette société, et j'espère qu'ils ne vont pas rater, entre autres les femmes. Donc la loi, elle existe, mais je pense que pratiquement les femmes prendront conscience finalement et seront éléments acteurs et pas qu'instruments d'un débat pour alimenter un certain débat par rapport au statut de la femme. Voilà. Mais quoi, la solution, c'est de casser le profane? Non, mais je me dis, cette femme qui non, sait... Explique. Non, oui. Monsieur, j'ai pas... non, mais réellement, je me dis que cette femme... Je me dis que cette femme qui sait à peine lire et écrire, qui n'est pas intellectuelle, mais qui est allée dans une réflexion,
qui, je ne sais pas quelle est la profondeur de sa réflexion, mais elle a entamé ce projet. Et c'est une femme qui ne pensait pas nécessairement, comme nous on le fait, le statut de la femme. Mais ça a été presque instinctif. C'est un besoin et elle a agi. Elle n'a pas attendu de lire toute l'histoire du féminisme. Elle n'a pas attendu le feu vert de son mari ou qui que ce soit. Voilà. Elle a juste agi, elle a dit « Moi je travaille, mais en plus je vais créer un espace qui va créer un certain équilibre, au moins dans son petit cercle, à l'échelle du quartier. Le quartier est bourré de café pour hommes, donc je fais le ménage, je travaille, mais j'ai un moment pour moi et je vais investir, je vais être dans cet espace. » Effectivement, le cas, comme dans toutes les sociétés méditerranéennes, et en particulier musulmanes, ce que tu dis est vrai dans la mesure où, manifestement, il y a comme une espèce d'esprit revanchard qui est accentué par le sentiment d'être dans son droit, sentiment que l'homme a. Mais je crois que, comme en toute chose, il y a un travail du temps qui va se faire, et que cette espèce d'épine irritative de l'homme va s'estomper peu. Que c'est aussi quelque chose qui est lié au tourisme. Le fait d'aller vers la femme, d'essayer de la séduire, quitte à la harceler, c'est également lié au tourisme, ce n'est pas un phénomène nouveau. Lié au tourisme ? Oui, absolument. Et autre chose, ce n'est pas du tout la même chose dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a l'attitude d'une extrême sobriété et d'une très grande, d'un très grand respect à l'égard de la femme. Par conséquent, le paysage est... éclaté. Je l'ai dit. Je crois qu'il ne faut pas l'uniformiser, donner cette vision.